Pour pas ça, parce que sinon, ce qui s'est passé, et que Zunga Kaka, Motonet Mende, c'est quelqu'un qui doit être pendu en place publique. Motonet, ma ministre, Kanambe. Ce sont des gens que nous devons pendre, nous devons les tuer pour donner une leçon aux générations à venir. Ça ne doit pas rester comme ça. Les 21 ans, les 22 ans d'occupation ne doivent pas seulement être gommés comme ça, parce que Naibi, d'ici là, les pasteurs, les religieux vont récupérer la résistance du peuple. Ils allaient grâce à ma prière, ils vont récupérer la victoire du peuple, la résistance du peuple. Et ils vont entrer dans des messes de requiem pour remercier Dieu, qu'ils vont appeler Dieu le chef des armées, alors que le chef des armées était là pendant 22 ans, il n'a pas pu libérer le peuple. Et le peuple va oublier qui lui a fait du mal. Je pense que les gens ne doivent pas oublier. Requiem, ça signifie souvenir en latin. Qui donc se souvient, n'oublie pas. Alors nous ne devons pas oublier. Et pour ne pas oublier, nous devons punir les gens. Et le Congo doit toujours maintenir la peine de mort et la justice doit être dite d'une manière normale, sans faveur, sans peur. Les ministres, les parlementaires, les soi-disant sénateurs qui ne font pas leur travail doivent être radiés de la carte politique au Congo. Les professeurs qui trahissent doivent être radiés de la chaire universitaire Batang Salisouste. Et il n'y a que cela qui peut redresser le pays, sauf que M. Bemba a appliqué justice. Ce qui a appliqué justice, c'est que Ayena Komedi Risusu, mais ça sera la même chose. Donc moi, je suis partisan de la justice, partisan du droit, et j'en appelle à tous les juristes que ma dossier est Zalimingi. Ce qui libération ayez, la conférence nationale qui doit se tenir ne doit pas être comme la conférence de Mobutu de l'époque où l'on présentait Tshisekedi comme un blanc-seing, on le défendait et puis ça n'a pas eu d'aboutissement. On n'a pas eu de gens qui étaient punis. Ça a été saboté plusieurs fois par les religieux qui corrompaient les gens avec leur voix morose de religieux. Ça ne doit pas être comme la conférence de l'Afrique du Sud, ce qu'ils ont appelé la conférence j'ignore encore le terme là, en Afrique du Sud. Oui, non, il y avait la conférence des Sud-Africains. Ils avaient une conférence souveraine, le terme pourra me revenir plus tard. C'est une conférence qui n'a pas puni le meurtrier de l'apartheid, le meurtrier de la colonisation. Bon. On ne les a pas arrêtés, certains, je crois, une ou deux personnes ont été arrêtées, mais les autres se sont mis à faire des embrassades devant la caméra pour tolérer, pour recevoir la tolérance des familles qu'ils ont endeuillées. Et ça s'est limité là-bas. Le nouvel État sud-africain a commencé à payer des compensations de, je sais pas, 20 000 rennes, de 10 000 rennes, de 30 000 rennes à des familles qui avaient perdu les enfants. Et, enfin, le leur, pas les enfants, le leur. Et les meurtriers, on le voyait toujours dans la rue. Donc, c'était de l'amusement, le temps qu'on a passé, qu'on a médiatisé cette conférence souveraine en Afrique du Sud, c'était la même chose avec le Congo, ça a été saboté. Il faut qu'il y ait des aboutissements, des résultats, il faut qu'il y ait des condamnations. Ça ne doit pas être une conférence seulement d'amusement où les gens viennent parler le français, il faut mutunyoso abima, que mende abouman de Konangaï, que Roubert Abouma de Konangaï, à cause de cette donc il faut qu'il y ait des procès et que les gens soient condamnés. À part ba Congolais Bango Moko, nous devons avoir le droit de poursuite. Ba juriste va compiler ba dossier pour le moment. Où nous devons poursuivre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et les individualités telles que Louis Michel as la personne non grata na Congo, parce que c'est lui Michel qui est le mentor de Kagame, de Kanambe.
tout le monde qui a trempé doit être déclaré personne non grata au Congo. Et nous devons bannir certains Congolais de la carte politique et de la chaire universitaire et peut pas travailler. De telles sanctions doivent et vont aider à rééduquer la nation et à maintenir l'équilibre de la nation au lieu de se replonger dans la blague. Les lobbies, au Congolais, quand ils sont Congolais, surtout les jeunes qui ont été sacrifiés ces derniers temps, ils vont toujours continuer à ramper devant les cannabistes qui les ont fait souffrir, qui nous ont fait souffrir. Ils vont continuer à ramper devant. Oh, il y a André Kimbuta. Ils vont continuer à ramasser des poignées de dollars et oublier tous les maux que ces gens nous ont fait. Donc, nous devons nous venger. Nous devons nous venger. Parce que c'est l'exemple des alliés à Nuremberg, en Allemagne. Pour mettre fin au nazisme, on a directement institué un tribunal d'exception. Après le jugement, derrière le tribunal à côté, on les a fusillés tous. Ceux qui étaient capables de fuir parmi eux, eh bien, ils ont pris ce qu'on appelait les sentiers liminés, ils ont fui en Argentine, en Chili, au travers les sauvetages organisés par le Vatican. Ils étaient devenus des prêtres et le Vatican les faisait sortir pour fuir partout. Mais malgré ça, les Israéliens, les soi-disant Israéliens, les Juifs, les ont poursuivis, les ont traqués partout, les ramenant chez eux, les jugeant, les pendant, les tuant. Nous devons avoir droit à la poursuite judiciaire, à traquer les Rubera, à traquer les Thomas Zinratimana, à traquer tous les Rwandais et les tuer. Et nous ne devons pas avoir confiance à la Cour pénale internationale. Nous devons instituer notre propre cour d'exception pour juger, condamner et exécuter tous ceux-là qui ont fait du mal aux Congolais, qui ont humilié les Congolais, qui ont pillé et qui ont fait romance avec les occupants. Président, il y a une hypothèse qui se dise. Juste une réflexion. Les gens ont dit que Jean-Pierre Bemba est sorti. Ça sera peut-être un dernier point avant de passer à une autre étape, une autre question. Jean-Pierre Bemba est sorti. La question s'est posée. Pourquoi ils ont attendu 10 ans? Et M. Joseph Kabila est élu au pouvoir presque plus de 20 ans maintenant. Pendant que nous allons vers les élections, Soki Rosalate, car on a quelques mois, Jean-Pierre Bemba Bimi, parce que pour le moment, PPRD n'a pas un dauphin ou un Rotia Liboso pour représenter, pouvoir en place pour la candidature. Et l'Obama, Peso, l'Obama, que Bimi, c'est Jean-Pierre Bemba, Yende, a coquille Kozala, dauphin, il y a pouvoir en place de façon que Abima le rôle président. Bah, Félix Tshisekedi, bah, Moïse Katumbi, la minute ou quoi que Katumbi serait dû être un danger pour nous pouvoir en place, mais Bazan on a cima. Hypothèse, on a comment vous prenez ça? On a politique à Katisiko. Et puis, population congolaise, bah, on a un peu le rôle la réalité. Que le roi Jean-Pierre Bemba Bimi, comme Joseph Kabila, n'a pas quelqu'un, on a confiance à Moutoumoussou Morote, parmi les ceintures, n'a pas Bimi, c'est Liboso. C'est payé Bimi si est libéré Jean-Pierre Bemba. Tchè Liboso, on a. Pas à le roi dauphin de façon que bâtiment massage la population congolaise vieux continue bon. L'hypothèse est probable et parfois même avérée. Et que ça, l'hypothèse est à solo. Je te dis qu'il a été arrêté politiquement et on le fait sortir au moment opportun pour jouer un rôle politique. Et il va jouer ce rôle politique. Au détriment de la population, mais pour les intérêts des occupants. Parce que le Congo, c'est un fruit juté. Alors, c'est vrai que c'est de la complicité. Alors, quittons-nous maintenant les analystes politiques, les politiciens et le peuple congolais à ne pas être naïf. Il faut tout analyser. Malam, tout cela n'a froid aux yeux. Pourquoi Bemba sort en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont attendu longtemps pour Babimi Saye? Tout analyser en gros, et puis si nous avons toutes les preuves, parce que nous avons toutes les preuves, nous devons dire non à la candidature de Bemba. Nous devons dire non à la candidature. Dès que nous analysons tout et que tout cela preuve, parce que nous ne voulons plus de régime de complicité. J'ai dit, nous ne devons plus nous replonger dans le passé.
Le pays doit avancer et doit avoir de nouveaux dirigeants comme moi, qui n'ont pas trempé. Hein? Mboka yango, ezalika pour un cercle restreint ou anaté. Vous voyez ça? Oui, il a été parmi les quatre vice-présidents. Peut-être que moko moto azalaka congolais. Hein? Parce que Kanambe, étranger. Azarias Rubera, étranger. Zaïd Ngoma, étranger. Abdoulaye Yoro Diandombasi, étranger. Alors, Yepe Azali Meti. Donc, il y a aussi un métissage culturel qui fait qu'il soit. Qui est métis, Jean-Pierre? Mais oui, comment? Qu'il soit un élément douté et redoutable, en qui on ne peut pas tellement avoir confiance. Le Congo appartient aux nègres d'abord. Vous voyez ça? Ce n'est pas un pays de métis. Le Congo appartient aux nègres. Donc, nous avons besoin d'un moine Mboka authentique qui soit là-bas. Pas des gens qui ont goûté à l'opulence et qui croient que c'est un droit hiérarchique et monarchique que Bango Kakande Bazoka pouvoir yango. Nous sommes ici pour ça. Voilà. Même Mugwege, ceux qui Mugwege Balingi va présenter, nous savons que Mugwege n'est pas congolais. Nous savons ça, le docteur Mugwege est congolais, c'est tout bien. Alors, Ezali Bissoba Namboka, il faut tous avoir président. Et j'ai dit au peuple congolais, moi, Djemadar Vibikil Kilele, natif de Shabunda, dans le sud Kivu, de la tribu Lega, Nazamu Lega. Donc je suis un Congolais, j'ai le droit, le pouvoir et le premier choix à être le président du Congo. Il ne faut plus continuer à remettre ce pouvoir aux mains des étrangers. À l'époque, Mobutu Azraki na comptable naïe, c'est y aller. Je suis bien que cette yale a été à Botama en Équateur, mais l'aide à Koufi, à Tiki Testament, ce qui est en Koufi, nous autres, nous avons il faut que nous soyons en Portugal pour faire ça engrais dans ma belle à Portugal. Mais Congo, et si vous avez collé la biloko, Congo a une alimentation, ali a Kambongo, ala la Kabasi Nabiso, pour y aller à la Poussa Yamundele. L'aide à Koufi, c'est quoi nous autres, nous sommes en Portugal. Il en est de même avec les Congo Adondo, il en est de même avec les Edundo Bononge, toute cette clique de métis là-bas, écoutez, on doit les écarter de l'arène politique et remettre le pouvoir entre les mains d'un Congolais authentique. Et ce Congolais, c'est comme Kilele, il est authentique, c'est comme toi, c'est comme José, c'est comme mon frère Pascal Panzou qui est là, c'est comme d'autres qui n'ont pas trempé. Hein? Ceux qui n'ont pas trempé. Il a déjà été vice-président, ça suffit pour lui. Son père avait mal géré l'air Zaïre, nous connaissons ça très bien, s'ils veulent que nous disions tout, donc il n'est pas l'exemple de la gestion. Parce que Papa Naye était le chef du patronat congolais à cause de son amitié et de sa complicité avec le maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu a pesa kaye, titre ya ki chef ya entreprise Nyoso ya Congo. A beaucoup de monde tout. En même temps, on a nommé président à Air Zaïre. A Zui, a vu sur Air Zaïre, en un tournement, en une nuit, a vu sur a tourné en haut, a pakolé en langi, et comme il s'y airlift. A pillé d'abord Air Congo, il y a banaka pour mettre fin à fin la compagnie nationale aérienne. Tibo Congo, Zalaka, la compagnie nationale aérienne était. Nous n'en avons pas à cause de ce soi-disant père qui était mort. Alors, il provient d'une famille. Des gens qui ne savent pas gérer, qui ne peuvent pas être donc de modèle dans la gestion, ni de la chose familiale, ni de la chose collective. Nous devons le dire et nous devons éviter les sentiments croyant que c'est un Superman ou un Spider-Man comme le Malien qui est monté aux quatre étages sans aucune corde de grimpage. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin de gens qui sachent bien gérer, comme moi. Je m'adore Vibikil Kilele. Je peux bien gérer le Congo. Je n'ai plus rien à voler au Congo parce que je vécu à cet âge où je suis 58 ans. Je vécu, j'ai tout connu. Si je dois être président maintenant, c'est pour travailler pour l'honneur, le bien-être de mon pays, l'avenir de la jeunesse, l'avenir, il y a Bandekonanga, Nyoso, il y a Congo. Parce que Kilele,
a bala basi, a bota bana, azana ndako, azana mutuka, a lia, a tambola. Donc il n'y a plus rien qui peut m'émerveiller. Ce qui peut m'émerveiller, c'est la pauvreté des Congolais afin que na rendre Bango riche. Et non pas voler et amener au Portugal, voler, amener en France, parce que c'est pas là où se trouve mon père ou ma mère blanche ou blanc. Et puis, na monelaka, ba Congolais, ba Kolomboka. Donc, botika ba sentiment, nous devons remettre en question le relâchement ou l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. La lettre de Herman Cohen. Herman Cohen, c'est un juif. Il faut boire Bango. Le nom Cohen, c'est un nom de juif. Banani babomi mokin bomimba. Mais ce sont les Bayouda. Bango ne babomi mokin bomimba. Hein? Ba Rothschild bazaka banani. Le Rothschild, au bazaba propriété, il y a Banque mondiale, propriété, il y a Fonds monétaire international, propriétaire, il y a Banque du Trésor américaine, il y a Banque, il y a Poto Nyoso, il y a France, il y a Angleterre, il y a Belgique, il y a Banque, il y a Bayouda, Baza Banane, Bazali, Bayouda, et puis il y a Bango, il y a Bango, il y a Bango, il y a Bango, ce sont eux. Quand est-ce qu'il y a Kiwapi? Tout cet temps. Oui. Pour Akoma Mukanda, il y a dernière heure, pour pas qu'il ne soit relâché, Nani. Jean-Pierre Bemba. Ba Congolais, Bobo Sanate. Monsieur Herman Cohen, quand bien même que Azur ba français malamu, que cela ne vous étonne pas que nous, c'est un Américain qui devait parler l'anglais, mais il parle le français très bien, mais il n'est pas le premier. Il y a des gens qui vous parlent 4, 7, 11, 12 langues au monde. Est-ce que vous voyez que Poutine a le français très bien, que Poutine a le anglais très bien, que Poutine a le anglais allemand très bien parce qu'il a travaillé pendant 14 ans comme étant agent en service spécial. Il y a Russie, il y a KGB en Allemagne. Il parle allemand très bien, il parle le polonais très bien, il parle le chinois très bien, monsieur Poutine. Alors, que son français ne nous amuse pas pour qu'on puisse croire que non, Azoko Lobilaba Congolais. C'est le même Herman Cohen. L'air RCD et Koti qui avait dit que non, la province du Kivu doit être rattachée au Rwanda. C'est lui qui avait soutenu le révisionnisme des frontières de Kagame qui a déplacé les bornes des frontières en révisant les accords de 1884-85 de Berlin lorsque les superpuissances s'étaient rencontrées à Berlin pour faire du Congo ce qu'est le Congo et pour se partager l'Afrique en morceaux. C'est le même Cohen qui avait soutenu la thèse de Kagame et la thèse du pasteur Bizumungu qui était si naïf et qui s'est vu jeté en géole par celui qui était son vice-président et qui est devenu président aujourd'hui. Comment Moutouana Herman Cohen Moutouba qui va balkaniser le Congo? Le Londe Aya Kokoma, l'être qui va relâcher, allez-le à Bimisango et puis vous croyez à lui. Non. Open your mind. Hein? Je disais bien, nous devons nous débarrasser du syndrome religieux. Il y a que Bosana et d'être dans l'euphorie et la tolérance. N'oubliez rien. Moto ya solo à Bosana kate. Pour Mundele à Bosana kate. Mundele à Zakane Tunyoka. Et ça peut même comportement. Barwande bazaka nango bamende barwande bazaka ba bazaka na rancune Rwanda okikoya alingi azoyo akopesa yo mwasi na ye mwana na ye olala ye autant de fois que tu veux promesalité nenge ka bakotaka na Congo jour oyo nyokan e ozana kati na ye ekolamuka abomio bozaye komela na ye bozoke atike lo mwasi y a pas de problème mais azana but azokolanda. L'air nyoka ozana katina ye kolamuka ronde abomio. Nous devons aussi adopter le même comportement reptilien. Mondele pe azalaka ndengwana. Kabila Laurent Désiré Kabila abosana kake l'air yazali rebelle na maki. Mosana ezalaki ko kidnapper ba touristes européens. Ako kidnapper bango, enlever bango et puis asengi rançon pour acheter des armes. Mais les Américains Nabamine Moussousou,
n'ont jamais oublié ça. Ils ont gardé rancune. Et puis, pour le Congo, il y a des gens qui ont été en avance, qui ont été le président, naïf parce qu'il cherchait le pouvoir depuis longtemps, oubliant que Azali mouton expiatoire qu'on devait tuer. Arrivé le moment, parce qu'ils sont bien des calculateurs, arrivé le moment, ils l'ont égorgé parce qu'il a oublié, il n'a pas de souvenir, il n'a pas de requiem. Ba Congolais, vous devez garder à l'esprit les souvenirs de Biloko Nyonso. Il y a ma bepe malam. Kobo sanate, et il ne faut jamais que quelqu'un a corrompu le mémoire de Bino Boloba. Excusez-moi, c'est parce que mon pepe Zoko le Kangon a tiré les lunettes. Ce n'est pas très poli de porter les lunettes devant l'écran. Que Baye Sabino Keno, la vengeance appartient à Dieu. Nzambe Azalakate. Parce que ce qui Nzambe Azalaki. Comment ne l'a pas le Congo, il a fallu que Nzambe, Nabino Bloakazaka Likolo, Akita, To Alobana Likolo, Keno, Botika, on a peu pas Zabana Nangai. Mais le fait qu'il est absent, il est mioué, ça signifie qu'il n'existe pas. Donc, Moto a corrompu le binote Keno, Tobo Sanasikoyo, Makambo Jean-Pierre Bemba Sala, Tobo Sanayango, Makambo ba politicien, Natango Yakanambe Basala, la vengeance appartient à Dieu, ça appartient au chef d'armée. Makambo Yakobosana Ezalité. N'oubliez jamais quelqu'un qui vous a fait et du bien et du mal. N'oubliez jamais. Et dans la période, parce que si n'oubliez jamais jusqu'aux générations à venir que les Rwandais, les Burundais, les Ougandais nous ont fait du mal. Que la Belgique nous a fait du mal. N'oubliez jamais. Bino peuple congolais besoin à potokuna. Mais comportez-vous, n'êtes pas arabe. Bon, moi, je suis musulman, je suis à Paris. Quatre individus ont pris d'assaut tout un pays. Et on a vu le président François Hollande abîmer la télévision à Zana Sonité, Alba. Très chers compatriotes, notre pays est en guerre. En guerre contre quatre individus bah, terroristes, qu'ils ont appelés les terroristes. Mais Bino Bozali n'a pas tout. Mais tout ça, là, tout Moutouneti, lui Michel, mais tout Boumaye, parmi Bissot, il y a des gens parmi nous, c'est une présomption, qui sont des chauffeurs de lui Michel, qu'on lit un peu comme un restaurant, moi qu'on a lui Michel. Mais nous devons tuer ce type. Appelez ça le langage de la haine ou le média de la haine. Écoutez, ça vous regarde. Moto, Mobali, za moto azakana, na likunya, ce qu'on appelle rancune. Il faut tous na likunya contre bato basabiso mabe. Et puis esilaté. Je m'adresse donc à mes frères de l'Est, Beni, Lubero, Butembo. Tu n'as pas cha kufanya nguvu ku kamata ba Rwandais, ba Ugandais tu ba Popo tu connais biko, munabu kabata, munaba uwa, munaba lunguza na bapne. C'est l'unique ni mufano, il n'y a pas de tout qu'on va donner. C'est un message envoyé à ces gens. Nous devons faire la même chose à Kinshasa et partout. Tous ceux qui nous ont humiliés, nous devons les attraper, les brûler avec des pneus, nous devons les tuer, les pendre. Donc, nasengi, na banamboka, et si kanyoso, bozali, et si kanyoso, tozali. Tout cesser naïveté, tout cela ma naïveté, tout bossana ma ben amalamouté. Jamais il ne faut pas oublier. Le loge Jean-Pierre Bemba Azongi yende sauverté, aza sauver ya Congoté. Kobosanate. Po mundele abosana kate. Soko tungi si mundele abomaka. La paix, c'est un exemple à Kabila. Dans les années 1600, maman n'a pas eu coco, n'a pas eu serre, n'a pas eu Donna Kimpavita. Le fait qu'elle s'était opposée à la doctrine du catholicisme, à la doctrine du christianisme, et puis à Sengaki, que Bana Congo, excusez-moi, va pratiquer. Religion abisso
Elle a été clouée au pilori. Yé na mwana na ya 6 ans. Bakangie na nzete. Batumbie na koni vivante. Yé na mwana na ya mwana innocent. Ba mindele basango. Batumbie parce que azé kutungisa bango na vérité na yé. Voilà ce qu'est l'homme blanc. Voilà ce qu'est l'occidental. Bongo bino momela religion na bango. Bo prêcha kabatono, la vengeance appartient à Dieu. Nzambe a tout fiwana. Bobo sanike, ezali pape moko qui avait signé la bulle papale. La bulle papale, ezali te décret, ezali te décision. Il y a Vatican. Vers le 5e siècle, a signé la bulle papale où il a ordonné les prêtres et les explorateurs à venir en Afrique. Détruire les empires, détruire les royaumes, piller l'Afrique, tuer les Africains, appauvrir les Africains. C'est un pape qui avait signé cette bulle papale. Entrez dans le Google, entrez dans les annales de l'histoire. Le lobe besoin d'applaudir Monsengo Boy. Bobo Sani, le rôle qu'il avait joué dans la conférence nationale. Bobo Sani, le rôle que les prélats ont joué à l'époque de Kabongo Wapasero Mutambai a joué à l'époque de la conférence nationale pour défendre Mobutu et chercher à endormir la population. Bofongola Miso, Bofongola Pe Mayele. Il faut savoir qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. Et ce qui est l'ennemi, il faut que bon ennemi avant Abomabiso. Tomoni boale ming na Congo. Nous ne devons pas continuer avec cette naïveté. Tolérance. La vengeance appartient à Dieu. La vengeance n'appartient pas à Dieu. La vengeance appartient aux hommes. Ce sont les hommes qui doivent se venger. Ceux qui basali yo mabe, yo pe rendre mabe et pas yamoto. Parce que moto azo ko sala mabe, but naye, ils allaient ko faire disparaître yo sur la planète Kobumayo. C'est ça le but de quelqu'un qui te fait du mal. Alors, il ne faut pas rendre du bien à quelqu'un qui te fait du mal. Il faut lui faire du mal. Donc, ma politicienne Abissou, qui. Ma politicienne Abissou, qui nous ont fait du mal depuis l'époque de Mobutu, Tim Boye, nous devons leur faire du mal. Il faut te tumba banda kuna bango. Aux yeux na mutuka, tumbaye, boakele mabanga. Ils doivent sentir que nous ne voulons pas et plus d'eux. Pour cesser cette arrogance-là. Donc, Makamboya Bembe, nous devons remettre son acquittement en question.